que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nez un petit peu enrhumé. Fait que désolée si vous l'entendez un petit peu, mais on va faire avec. Puis c'est pour tester des nouveautés. Donc, avant de commencer, avant de vous dire c'est quelle nouveauté qu'on teste, même si vous l'avez sûrement vu dans le titre, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et donner un thumbs up aussi à la fin de la vidéo si vous l'avez apprécié. Aussi, sur ma chaîne, c'est pas mal ce que je fais, je teste des nouveautés, puis j'ai un nouveau concept qui s'en vient, qui va dans le fond apporter une vidéo de plus par semaine. Fait que j'espère que ça va vous intéresser, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est parti! Donc aujourd'hui, les nouveautés que je teste, c'est les nouveautés Annabelle. Fait que j'ai 3 produits que je n'ai pas encore testés et un qui est une nouveauté mais que j'ai déjà testé. Puis, on va tester ça ensemble. Le reste du maquillage, vous allez le voir, mais ça va être vraiment en accéléré pour que ça aille un petit peu plus vite. Puis, ça va être aussi simple que ça. Fait que le premier produit que je vais mettre sur ma peau, ça va être le voile hydratant illuminateur. Lui, je l'ai déjà testé, je l'ai bien aimé, il fait vraiment bien. Ça vient vraiment booster la lumière comme il est écrit dessus. Puis, je vais vous dire sur le site qu'est-ce qu'ils disent. Produit hybride combinant le confort et la texture d'une crème hydratante et l'éclat d'un illuminateur. Le prix est à 9,95 $. Puis, dans le fond, les bénéfices, c'est que ça hydrate et élimine la peau pour un teint frais et lumineux, réduit visiblement les dommages par le stress oxydatif, sans parabènes et sans huile. Fait que vous allez voir sur mon visage qu'est-ce que ça va donner, mais honnêtement, comme je vous ai dit, je l'avais bien aimé à la base. C'est sûr que personnellement, je mettrais ma crème de jour en dessous ou minimum un sérum. J'utiliserais quasiment plus comme une base que comme vraiment une crème hydratante. Voilà, fait que je sais pas si vous le voyez, mais vraiment on voit un beau reflet, fait que c'est vraiment ce que ça donne. Ensuite, je continue avec un fond de teint. Donc, le prochain produit qu'on va tester, c'est de la collection Bonsy. Puis, c'est l'effet goutte d'eau rafraîchissante. Fait que c'est pour le corps et le visage. D'après moi, on aurait pu l'utiliser avant de mettre le fond de teint. Mais comme je disais, j'utilisais déjà un voile hydratant lumineux. Je préférais l'utiliser vraiment plus comme illuminateur en gelée. Fait que la texture est vraiment comme une gelée. Mais il est quand même assez dur. Si je vais le mettre sur le dessus de mes joues. Fait que c'est ce que ça donne. J'aime vraiment ça. On n'a pas l'effet avec des paillettes à l'intérieur. C'est vraiment juste de la lumière. Honnêtement, je trouve ça vraiment beau. Ça, c'est sûr que je vais le réutiliser. La texture est agréable. Puis, comparé à ce que je vous ai dit au début, c'est pas nécessairement une gelée. C'est vraiment plus comme, je dirais, un produit crème. Mais ça, une texture crème, c'est comme plus une texture eau. Il faut vraiment être touché. Là, si vous allez en pharmacie et qu'il y a un testeur, testez-le pour voir la texture. C'est vraiment difficile à expliquer. Mais t'sais, quand on touche, c'est vraiment assez dur. Là. Fait que c'est ça. Mais honnêtement, c'est un beau produit. Sur le site, j'ai même pas été vous lire. Je vais vous lire ce qu'il dit sur le site. Obtenez un fini brillant, rosé et léger, formulé avec de l'eau de coco pour garder votre peau hydratée, effet goutte d'eau innovant pour un résultat rafraîchissant et sensationnel. C'est vrai que ça faisait vraiment un effet rafraîchissant. Oh my god, ça sent donc bien bon. Je l'avais même pas senti.
Oh my god, ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment l'eau de coco, ça sent vraiment exactement ça. Fait que c'est ça pour ça ici. Fait que je vais continuer le maquillage. Donc, la prochaine chose qu'on va tester ensemble, c'est la nouvelle ombre à paupières Bonsy, justement d'Annabelle. Puis sur le site, ce qu'ils disent, c'est que c'est une formule crémeuse aussi souple qu'une guimauve, qui s'applique facilement et qui s'en font merveilleusement bien à la paupière. Puis, pourquoi vous allez l'aimer? Couvrance modulable, finition scintillante, légère, naturelle, finition métallique, intense, audacieuse, formule longue tenue, sans bavure, distincte, lumineuse. Moi, la teinte que j'ai pris, c'est Pop de Champagne. Pop de Champagne. Bref, vous avez compris. Puis, c'est juste ça que je vais mettre sur mes yeux. Fait que, on va tester ça ensemble. Fait que, je sais pas si vous voyez la différence. C'est vraiment beau. Puis je viens l'appliquer au doigt, vous pourriez l'appliquer au pinceau. Moi, tout ce qui est de ces ombres à paupières là qui sont soit crémeuses, liquides ou peu importe, je préfère les appliquer au doigt. Je trouve que ça fait un plus beau résultat. Fait que ça aussi, c'est un bon winner. Honnêtement, ça fait vraiment un beau résultat. Je sais pas si vous aimez ça. Fait que je sais pas si vous voyez. C'est vraiment juste lumineux. Oh, ça fait full beau! Je pourrais même l'utiliser, je pense, en highlight sans problème. Il reste juste à voir la tenue, si ça va bien tenir durant la soirée. Ok, si ça va bien tenir, mais honnêtement, je suis vraiment épatée par les produits que j'ai essayés pour l'instant. Fait que je vais mettre du mascara. Donc, le prochain produit que j'ai à tester, c'est le dernier qu'on va tester ensemble. C'est la palette pour sourcils. Donc, sur le site, ce qu'ils disent. Donc, formule lisse et rebondissante, passant de la crème à la poudre, sourcils audacieux dès le premier coup de pinceau. Fait que c'est ce qu'ils disent. Inclut une crème illuminatrice pour agrandir le regard, inclut deux teintes pour les sourcils. Formule longue tenue. Fait qu'on va tester ça ensemble. Fait que c'est juste ça ici. Donc, c'est vraiment comme des crèmes. Ça vient avec un petit pinceau qui a un embout, un petit embout goupillon, puis un autre embout pinceau. Fait que je vais l'utiliser pour voir ce que ça va donner. Ok. Ok, c'est tellement pigmenté. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, c'est ça que ça donne. Je vais venir faire l'autre. Je vais venir utiliser la petite teinte illuminatrice. Donc, voilà. Résultat final,
Je vais vous parler un petit peu des produits. Donc, le premier produit que j'ai essayé, c'est le voile hydratant. Je l'ai beaucoup aimé, mais c'est sûr que moi, j'aimerais rajouter un petit peu d'hydratation en dessous en rajoutant une crème hydratante ou un sérum hydratant. Mais honnêtement, c'est un beau produit si vous cherchez vraiment comme une base qui est hydratante et illuminatrice en même temps. Je pense vraiment que vous pourriez l'aimer. Ensuite, l'autre produit après que j'ai essayé, c'est le Bounty visage et corps éliminateur. Puis je l'ai tellement aimé, ça a vraiment fait un beau résultat. J'ai rajouté mon Perfect Glow d'Annabelle par-dessus, puis ensemble, ça a vraiment donné quelque chose de beau. Je sais pas si vous voyez, mais j'aime vraiment ça. Puis c'était vraiment rafraîchissant, ça sentait bon. Fait que ça, c'est vraiment un oui à aller chercher, ça fait super bien. Ensuite, l'autre produit que j'ai essayé, c'était le Bounty l'ombre à paupières, que j'ai aussi beaucoup aimé. Il reste juste à voir la tenue, comme c'est vraiment crémeux, j'ai hâte de voir si ça va tenir longtemps, mais je pourrais même l'utiliser en illuminateur si ça tient bien. Fait que la texture est très très agréable, assez pigmentée, puis d'après moi j'aurais pu en rajouter une couche, puis ça aurait fait aussi là, je l'aurais fait plus naturel, plus glowy, puis c'est vraiment ce que ça m'a donné. Finalement, dernier produit que j'ai essayé, c'est mon moins favori, c'est le petit kit pour les sourcils. Je le trouvais tellement crémeux que c'était même un petit peu difficile à travailler à mon avis. Aussi, j'ai l'impression qu'il ne tiendra pas nécessairement bien comparé à d'autres que je peux avoir. J'ai l'impression qu'il est tellement crémeux qu'il ne tiendra pas, sauf si je rajoute une poudre par-dessus. Fait que ce serait peut-être la façon d'essayer, de l'utiliser si vous voulez l'essayer. La petite pâte illuminatrice faisait super bien, mais honnêtement, c'est pas mon produit favori dans les quatre. Si je peux en choisir un favori, ça serait le visage et corps Bounty illuminateur, parce que je sais que cet été, je vais même pouvoir l'utiliser sur mon corps, ça va faire super beau. Fait que c'est vraiment ça pour les produits. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, laissez-moi un commentaire pour me le dire. Si vous aimez ces vidéos-là, dites-moi si vous voyez en pharmacie des produits que vous voudriez que je teste. Et je vous invite encore une fois à vous abonner et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!